Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023, les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après, le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà, les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis, s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, eh ben, on va regarder. On va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis, on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci, merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Les amis balance, semaine du 9 au 15 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le boomerang, l'échec. Ok, la sexualité, la parole et l'amour et le compromis. Ok, très bien. Alors, mes amis balance, ici on vous parle de votre manière d'exprimer votre amour de manière assez large, d'accord? Puisqu'on est sur le message général, donc ça peut parler vraiment dans différentes situations. C'est votre manière d'exprimer les sentiments, l'affection que vous portez dans des situations. Ok, ça va être dans une situation en tous les cas. Ici, votre manière de vous d'exprimer votre amour va être vraiment très importante. L'affection que vous avez, l'attachement que vous avez à quelque chose, le fait d'aimer quelque chose, votre manière de l'exprimer va vraiment être mis sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce qu'ici, vous réfléchissez et on vous questionne, voilà. La vie, l'expérience, la situation vous questionne sur le fait que vous avez peut-être une certaine stratégie à revoir. Et quand je dis stratégie, c'est pas stratégie du style être stratège, manipulateur, c'est pas ça. C'est plus prendre conscience de votre manière d'être et de faire. Ici, on peut avoir une prise de conscience sur le fait que sa manière dont on montre les choses et dont on exprime les choses est à des années-lumière de ce que l'on ressent réellement. Et tout simplement pourquoi? Parce que vous protégez votre vulnérabilité. Ce qui est humain et ce qui est normal. C'est pas de la manipulation en soi, mais c'est une stratégie que vous avez adoptée pour vous protéger parce que vous avez vécu très certainement des échecs auparavant.
des échecs qui vous ont fait mal, des situations que vous avez vécues comme un échec et que vous avez le droit et que vous vous êtes ouvert ou ouverte et que ça vous a fait très mal. Donc maintenant, vous avez fermé les vannes et vous avez une protection, un espèce de masque par rapport à ça. Et on vient vous questionner là-dessus. On vient vous interroger et peut-être même un petit peu vous déranger, vous voyez, vous piquer entre guillemets, disant hey, il va peut-être falloir exprimer les choses différemment parce que là, il y en a besoin. Pourquoi? Parce que là, ici, alors c'est peut-être à travers la sexualité, hein, peut-être que ça vous bloque au niveau de votre sexualité, de vos relations intimes, c'est possible. De manière plus générale, ici, on vous dit que ça bloque aujourd'hui dans la situation les élans passionnels. Parce que vous vous retenez d'une certaine manière, parce que vous ne l'exprimez pas. C'est l'expression de l'amour, de l'affection, du sentiment, de ce que l'on ressent, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. Et ici, il y a quelque chose qui bloque votre élan. Et c'est vous avec vous-même qui bloque votre élan passionnel, qui bloque votre élan créatif, parce que vous n'osez pas y aller pleinement avec toute votre vulnérabilité. Si on parle du professionnel ici, il y a peut-être un côté créatif ou oser montrer quelque chose, oser une singularité que vous n'osez pas ici. Parce que par le passé, vous avez été, j'en sais rien, moi, vous vous êtes pris une bâche, vous avez été bloqué dans votre élan, etc. Et donc maintenant, hop, vous n'osez plus dépasser ce truc. Sauf que là, ici, on vous dit, il va falloir exprimer différemment. Pourquoi? Parce qu'avec le boomerang, on vous dit que si on vous ramène cette situation de nouveau, c'est forcément qu'il y a quelque chose à faire de nouveau, un comportement différent, quelque chose. Et ici, avec le boomerang, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la boucle est bouclée. Donc, ça veut dire qu'on vous dit que cette expérience, entre guillemets, elle est là pour vous faire dépasser, certes, mais que, en fait, il n'y a plus lieu d'appliquer finalement ce qu'on vient vous mettre en lumière parce que c'est révolu, en fait. Vous avez déjà guéri ce qu'il y avait à guérir. On vous dit bien qu'à la suite de ça, il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors, il est dans le compromis, certes, mais il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a un nouvel engagement, que ce soit avec la situation, que ce soit avec vous-même, avec la vie, avec votre vision des choses. Il y a un nouvel engagement important qui est beaucoup plus équilibré que ce sur quoi il est basé aujourd'hui. Ok, on va aller voir avec l'Aliasqué. Allez, c'est parti, nos amis balance. Semaine du 9 au 15 janvier 2023 sur le boomerang et l'échec. Ah ouais. Sur l'échec et la sexualité. Ok. Ok. D'accord. Ouais. Les amis balance. Ouais. Il va falloir aller trouver les réponses là. Hein. Ou en tous les cas, il va falloir oser demander, oser être, oser vous exprimer. Hein. Il y a encore une fois cette expression, peu importe comment. Mais ici, il va falloir oser. Pourquoi? Parce que sinon, vous restez trop dans votre tête, trop dans vos questionnements. Et ici, il y a des interrogations auxquelles vous avez besoin d'avoir des réponses. Et pour avoir des réponses, ce n'est pas votre ego, ce n'est pas vous tout seul qui allez vous les dire. Et pourtant, c'est ce que jusqu'à présent, en tous les cas, vous faites peut-être. Ici, il va falloir aller au-devant. Sans avoir peur de cet échec, sans avoir peur de prendre une porte, sans avoir peur d'avoir la réponse auquel vous ne vous attendez pas, ou enfin à laquelle vous vous attendez, mais dans le côté drama, dans le côté négatif, vous voyez. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Je ne vous dis pas ici que la réponse va peut-être être différente, mais en tous les cas, vous ne vivez plus les choses de la même manière. Vous avez appris, vous avez grandi, vous avez, avec le boomerang, on vous le dit, vous avez restauré votre estime de vous, votre confiance en vous, etc. Qu'aujourd'hui, cette barrière que vous vous mettez, cette espèce de blocage qui vous empêche d'avoir certaines réponses et qui vous maintient dans une situation stagnante, aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Et même si vous essuyez un échec, vous n'allez plus le vivre de la même manière. Parce que vous avez évolué, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi parfois on... Excusez-moi, on vous évite des choses ou on vous ferme des portes, vous savez que c'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. À l'époque, la manière dont vous avez vécu cet échec, c'était le drame, c'était l'effondrement, etc. Parce que vous n'aviez pas encore cette expérience que finalement, quand quelque chose se passe où on le vit comme un échec, derrière, il y a une superbe réussite. Et aujourd'hui, vous le savez et vous êtes fort de ça. Donc, on vient d'une certaine manière vous dire stop ces barrières-là parce que ça te fait stagner en fait.
Il y a quelque chose ici, et alors pour certains, c'est vraiment lié à la sexualité, hein, aux relations intimes. Pour certains, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'il y ait une forme de solitude par rapport à ça. Ça peut être dans vos relations intimes où vous vous sentez très déconnecté, très éloigné, très seul en fait finalement par rapport à ça. Et il y a quelque chose qu'on vient vous transformer dans votre manière d'exprimer les choses, de vivre les choses. Bon, ça c'est vous avec vous-même et votre intimité et avec l'autre, vous voyez. Ça c'est la première chose. La deuxième chose ici, parce que pour certains, de manière plus générale, hein, si ça ne parle pas de ça pour vous, on a cette idée que vous vous sentez seul quant au fait, en fait, il y a une espèce de solitude. Pourtant, vous êtes, en fait, si vous voulez, l'espace de solitude qui est créé dans cette situation, ce que l'on me montre, c'est que, en fait, il y a un côté. Vous avez énormément de passion, vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup d'amour à offrir, et en même temps, il y a quelque chose qui vous tient à l'écart de ça, et vous vous sentez seul, comme si vous n'arriviez pas à trouver le vecteur, la personne, la situation pour pouvoir vivre ça de manière dans l'échange, dans la créativité, dans l'expansion, vous voyez? Et il y a une forme de solitude ici. Et en fait, ce que l'on vient vous dire, c'est que cette forme de solitude, elle se maintient parce que votre manière d'exprimer les choses, d'exprimer votre créativité, d'exprimer votre passion, d'exprimer votre amour, n'est pas forcément bien compris. Et il n'est pas compris, pas parce que vous vous exprimez mal, enfin, pas parce que les personnes ne sont pas là pour le recevoir, mais il y a la manière dont vous vous protégez. Excusez-moi. Cette protection, elle vous fait avoir une espèce de vision et de manière de transcrire les choses qui est déconnectée entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous dites et ce que vous faites. Et là, c'est ça qu'on vient vous transformer. On vient transformer votre manière d'exprimer les choses. Il y a un très très bel équilibre qui va se trouver avec la part émotionnelle, la part affective, la part intérieure ici, avec la matière, avec la vie, avec l'engagement, avec le compromis. Il y a vraiment quelque chose qui va se trouver. Ok, on y va pour la partie pro, les amis, balance. Semaine du 9 au 15 janvier, on vous dit. Sois attentif à tes rêves et aux signes que l'on t'envoie et fais de tes demandes à l'univers. Remise en question et réseau de télécommunication. Ouais, alors. Mes amis balance ici, ouais. C'est vraiment ça l'idée, hein. Si ça vous parle au niveau professionnel, vous vous posez trop de questions. Pas parce que c'est pas bien de vous poser trop de questions, mais vous les posez pas au bon endroit. Et surtout, ça vient nourrir en fait des blocages. La remise en question ici, elle est toujours utile. Mais elle est utile dans des états de fait. Et pour avoir une remise en question avec des états de fait, il faut avoir les réponses d'abord. Il faut aller les chercher à l'extérieur. Et ici, c'est comme si vous posiez des questions, vous n'alliez pas chercher les réponses à l'extérieur, et vous répondez par vous-même. Et qu'est-ce que ça fait quand on se répond par soi-même? Ça nourrit forcément une remise en question qui est biaisée. Qui est biaisée sur quoi? C'est votre interprétation, sans vraiment savoir les réponses. Donc votre interprétation, elle dit quoi? Ok, la situation, elle est comme ça, a priori, et souvent vous utilisez le a priori, c'est ça, donc ça veut dire que je ne suis pas assez, que je n'ai pas fait assez bien, que ceci, que cela. Donc ça vient nourrir quoi? Bah, des énergies de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, etc. Mais on se fait sa propre mayonnaise dans la tête. Mais une remise en question, moi je veux bien hein, qu'elle se fasse, et c'est important de se remettre en question. Mais quand on a un état de fait, pas quand on est sur des questionnements, en imaginant déjà que ça va être un échec et en trouvant des réponses dans sa tête, en se disant ça va être forcément un échec.
C'est vous condamner, c'est condamner la situation basée sur ça va être un échec et je trouve toutes les réponses en moi et possibles pour confirmer cet échec. C'est pour ça qu'il y a cet espace de solitude. On vous dit ici, c'est marrant parce qu'ici j'ai le lit, on vous dit ici, prêtez attention à vos nuits, les amis. Prêtez attention aux signes, prêtez attention à vos rêves. Ça va vraiment vous aider et surtout demandez de l'aide. Demandez les amis. D'accord? Il y a quelque chose qui va très certainement se passer avec ces réseaux de télécommunications. Vous verrez comment ça vous parle. Et il y a quelque chose qui va se transformer ici. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis Balance. Allez, c'est parti. Nous avons le nouveau départ, le printemps, la protection pour nos amis Balance. Semaine du 9 au 15 janvier. Ah, d'accord. Bon. Alors, les amis Balance. Bon, ça concernera peut-être pas tout le monde, donc vous verrez. Mais en gros, ici, cette peur de l'échec ou ce que vous êtes en train de vivre en termes de questionnement, c'est lié à la peur de la trahison, à tout ce qui va être les tentations, les tromperies, l'infidélité. Alors, ça peut être vous-même, comme ça peut être la peur de revivre ça. La peur de vivre, tout simplement, ou de revivre ça. Dans tous les cas ici, ça peut être aussi avec vous-même, hein. Vous pouvez être quelqu'un qui avait ces tendances et il n'y a rien de négatif là-dedans dans le sens où c'est pas quelque chose que je soutiens bien entendu, hein. C'est pas mon truc, ça fait pas partie de trop de mes valeurs, hein. Mais voilà, la vie est faite comme ça et tout le monde existe et il y a des choses, voilà. Et vous pourriez peut-être vous dire, voilà, j'ai quelque chose de très intéressant dans ma vie, mais je ne sais pas si je vais réussir à être... À rester sur une personne, une situation, remplir toutes ces conditions, c'est possible, c'est possible. Et il n'y a rien de mal à ça. Je préfère que vous vous interrogiez avant que pendant, surtout si en plus l'autre personne n'est pas ouverte forcément à ça. Si vous vous entendez après, hein, ça c'est... Voilà, hein, chacun vit comme il veut. Et on a la chance de vivre dans une belle époque où il y a une très belle ouverture de pensée sur toutes les différentes formes d'amour. Et ça, c'est très bien. Tant que tout le monde est consentant et que ça ne fait souffrir personne, moi, je suis OK. En tous les cas, ici, cette idée-là, c'est ce que vous vibrez ici. Les réponses aux questions que vous vous apportez, c'est pour éviter de vivre... de l'infidélité, de la tromperie, du mensonge, bref. Voilà. Vous, cette situation, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez déjà classifiée sur le fait que ça allait être un échec. Donc, vous restez dans cet espace de solitude, dans cet espace d'éloignement de cette situation. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à faire évoluer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on vous parle bien ici, dans cette situation, d'un nouveau départ, de quelque chose qui est à l'aube peut-être d'une situation totalement différente, peut-être d'une transformation différente, peut-être de quelque chose qui renaît de ses cendres aussi, c'est possible. On a la carte du printemps. On peut vous parler Bélier, Taureau ou Gémeaux si ça vous parle par rapport aux personnes concernées ou bien si ça renforce le message pour vous, signe solaire, ascendant ou lunaire. Dans tous les cas ici, il y a vraiment la possibilité de dépasser ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire cet espace peut-être de célibat pour certains, de solitude, mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendue. Donc ne commencez pas à imaginer ou à dire ou à éviter quelque chose par peur d'eux et imaginez que ça va être forcément un échec parce que ça, c'est basé sur le passé. Et ici, on vient vous mettre en lumière votre vision de l'amour, votre vision de la manière dont vous l'exprimez qui bloque ces élans passionnels. La passion n'est pas toujours destructrice, les amis. On peut vivre des passions saines, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut se l'autoriser. Et pour se l'autoriser, il faut
éviter d'être tout de suite, avant même quoi que ce soit, de se dire « Ah, ça va être un échec. » Parce qu'on vous dit bien ici qu'il faut oser se lancer, il faut oser agir, il faut oser tenter, il faut oser passer à l'action. Et on vous parle d'une protection divine, d'une grande protection, d'un mariage, de quelque chose à l'appui qui va vous accompagner dans cette évolution. Même si c'est effectivement déstabilisant, voire ça demande de guérir quelque chose hein, quand même. Hein. Vous allez le trouver ce compromis avec vous-même d'abord. Et après, c'est avec votre part émotionnelle. Ok, on y va pour la réponse angélique. C'est parti. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Demandez à vos anges. Alors, page 44. Qu'est-ce que ça nous raconte? Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, à travers votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Faites tes demandes à l'univers, on l'avait là hein, déjà. Et ici, on a la protection. Donc, on vous le redit une troisième fois. Loi de l'attraction. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre dessein, à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches, ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.